à toutes et à tous, ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt, ne manque plus que maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. Depuis ce matin, on est impatient, on a envie de voir ce duel débuter enfin. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. La passion du jeu s'impose toujours. Pendant 90 minutes, tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Chiesa reçoit le ballon. Zidane. Zidane. Elle a ici l'occasion pour mener. Allez, voilà le premier but du match. Très très vite, l'ouverture du score. Il y a des attaquants dont c'est la spécialité. Ce genre de but dans les 6 mètres, c'est un art de l'anticipation et de l'intuition. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Philippe Lam. Ronaldo. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Attention ! Ballon facile à capter, sans aucun danger. Ah non, quelle boulette sur cette passe ! Le but, mais bien sûr, c'était prévisible. Quelle erreur de concentration! Le ballon lui a échappé et à ce niveau, ça suffit. Les erreurs, ça coûte cher. D'ailleurs, je vends les miens, j'en ai quelques-unes en réserve. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. Et voilà, c'est pas terrible du tout ça, le ballon sort directement en touche. Une bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Djibril Sow. C'était audacieux, mais il en faut plus pour surprendre le gardien. Jordi Alba. Le ballon transmis à Chiellini. Et le ballon est récupéré. Chiesa. Gérard. C'est pour Chiesa. Michel Ballack. Ballack. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Le début de la deuxième mi-temps avec ce ballon pour les Marseillais. Luis Diaz, Ronaldo, Djibril Sow, c'est pour Chiesa. Ah, il y a la place pour une frappe. Ouais, bien fait, bon pressing pour récupérer haut le ballon. Le ballon pour Djibril Sow. Oui, il faut frapper maintenant. L'occasion de prendre l'avantage avec ce corner. Et un nouveau corner à suivre. Walker. Marcel Desailly. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Philippe Lam. Et non, le ballon est perdu là. Et le face-à-face à venir. James. Lam. Djibril Sow. C'est pour Chiesa. Ronaldo. Pour Ronaldo. L'occasion de prendre l'avantage. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé.
Luis Diaz reçoit le ballon. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Chiesa. Steven Gerrard. Avec le peu de temps qu'il reste, si une équipe marque, la rencontre est sans doute terminée. Haaland. Et but ! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. On le revoit, un but dans les arrêts de jeu qui change tout et pourrait bien être synonyme de victoire. Quelle finale ! Et un changement donc. Le match reprend. Le score est maintenant de 2-1. Ça y est, c'est terminé. Le coup de sifflet final avec une victoire de l'Olympique de Marseille. Effectivement, petite victoire d'un but dans un match qui aura été tendu d'un bout à l'autre. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est une soirée absolument idéale pour jouer au foot. Ça donne presque envie d'y aller. Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. C'est pas Romario Bebeto, mais c'est pas mal quand même pour vous commenter ce match. Impossible de penser à autre chose aujourd'hui. On a hâte que ce duel commence. Barcelone contre l'Olympique de Marseille. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous. Surtout par la taille. On espère que ce match sera aussi grand que vous. Pour McAllister. Boutra gagnant. Ballon intercepté. Steven Gerrard. C'est pour Chiesa. Ballon rendu à l'adversaire. Ah, le ballon est perdu. Haaland avec le ballon. Attention pour mener au score peut-être. Voilà, le gardien s'impose facilement. Amari Traoré, le grand Maillère. Jack Grealish. Boutra Gagnon. Maillère reçoit le ballon. Allez, qui pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. McAllister. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Ah, bien sûr, l'arbitre là, il signale le hors-jeu. Et oui, c'est ce qui arrive quand tu n'es pas concentré, que tu n'es pas au mouvement. Marcel Desailly, Gérard, Erling Haaland. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Il peut tenter sa chance. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Et attention là, Neymar. Amari Traoré. Maillère avec le ballon. Avec Jordi Alba, Neymar. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. Ballon pour Traoré. Eh non, c'est rendu ça. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Le coup d'envoi donc de cette seconde période, le match est très équilibré, reste à savoir si les deux formations vont parvenir à se départager. Lozano, Emilio Butragueño, Irving Lozano.
Ouais, bien fait la différence qui est faite là-dessus. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et c'est donc une sortie de but. De Sailly. Avec Kyle Walker. Michel Ballack. Neymar. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Zidane, Gérard. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Chiesa reçoit le ballon. Et finalement, le gardien s'empare du ballon. McAllister. Grealish. Ouais, bonne progression, balle au pied. Maier avec le ballon. L'occasion de prendre l'avantage. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Gérard, Zidane. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Soyons clairs, l'équipe qui marque maintenant a de grandes chances de l'emporter. Le chrono qui arrive à son terme, toujours ce score de parité ici. Les supporters n'en finissent plus de pousser. Quelle tension les amis, insupportable, inténable. Vinicius. Et ici l'occasion pour mener. Voilà pourquoi on aime le foot, pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tout y est. Quand le temps compte entre les minutes, le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. Le compteur est débloqué, c'est un autre match qui commence dans cette deuxième mi-temps. C'est l'une des dernières offensives pour essayer de renverser la situation. Ah non, finalement le ballon est perdu. Le coup de sifflet final et on en reste là pour ce match. L'Olympique de Marseille s'incline. Et oui, une défaite assez douloureuse. Concéder ce but comme ça dans les dernières secondes, c'est très dur. Toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme vous le méritez. Quand on aime le foot, c'est ce choc qu'on a envie de vivre. L'Olympique de Marseille face au Barça. Et oui, on est là pour s'aimer le football et cueillir les émotions. Vamos! Ballon bien renvoyé. C'était audacieux, mais il en faut plus pour surprendre le gardien. Ben White. Ah, c'est pour Federico Chiesa. Michel Ballack. Ah, ça joue avec Neymar. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. Et oui, ce coup franc est au fond, magnifique. Quel beau coup de patte pour faire trembler les filets. Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Federico Chiesa. White. Federico Chiesa, balle au pied.
Steven Gerrard. Federico Chiesa. Zinedine Zidane. Il y a du soutien en attaque. Ben White. Steven Gerrard. Federico Chiesa. Et bonne lecture du jeu de Steven Gerrard. Haaland. Ça joue avec Neymar. Et Neymar, il peut frapper. Une minute de temps additionnel. Zidane. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et c'est reparti le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Le Barça est mené d'un but. Très bonne cette passe dans l'intervalle. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Michel Ballack. Haaland. Et le ballon change de camp. Fernandez. Ballon récupéré par les Marseillais. Gerrard. Ballack. Ballon rendu à l'adversaire. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et c'est donc une touche. Et le jeu est interrompu pour un remplacement. Grealish. Zidane. À ce ballon dévié, sort, corner à suivre. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. Federico Chiesa. Giorgio Chiellini. Gerrard. Le ballon sur Jack Grealish. Oh, la bonne position. Et c'est au fond des filets. Le but qui creuse l'écart en faveur de l'OM. Il y a des attaquants dont c'est la spécialité. Ce genre de but dans les 6 mètres, c'est un art de l'anticipation et de l'intuition surtout. Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Jordi Alba. Jack Grealish. Ballack. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. L'équipe a été supérieure dans sa capacité à être enthousiaste devant le but. Et elle a réussi à concilier l'urgence et la précision. C'est deux buts d'avance. La conclusion peut-être sur ce ballon. Et c'est le but. Encore une situation bien négociée. 3 buts d'écart. Quelle performance offensive. Il y a beaucoup de qualité dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il ajuste et termine son action. C'est chirurgical. Et voilà, le changement s'effectue. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Alors, on se débarrasse du ballon là. Ronaldinho. Ah, la frappe longue distance. Ça y est, c'est terminé. Le coup de sifflet final avec une victoire de l'Olympique de Marseille. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner. Roll for them life when I say
Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous. Quand on aime le foot, c'est ce choc qu'on a envie de vivre. Depuis le stade, on sent l'ambiance des grandes rencontres. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous. Surtout par la taille. On espère que ce match sera aussi grand que vous. Zidane. Et c'est pour Haaland. Steven Gerrard. C'est pour Chiesa. Très bien défendu, sans commettre de faute. Zidane. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Neymar. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Ouais, c'est une bonne défense avec cette interception. Antonio Di Natale. Antonio Di Natale. Ronaldinho. L'occasion de prendre l'avantage. Un corner peut-être pour prendre l'avantage. Attention, très bonne occasion. C'est un ballon parfaitement maîtrisé. Walker. Gerrard. Le ballon pour Neymar. Zidane. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Bruno Guimaraes. Et là, c'est Milan là pour amorcer une attaque. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Erling Haaland. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Et le panneau indique une minute de temps additionnel. La balle a choisi d'embrasser le poteau plutôt que le filet. Ça y est, la première période arrive à son terme. Tiré dessus. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours... Oh, et c'est bien servi. Goal ! Haaland lance les hostilités. On ne peut pas toujours faire de la poésie et des chansons d'amour. Parfois, il faut aussi de la guitare électrique. Ce but, c'est du métal. Ah, il a fallu attendre la deuxième mi-temps, mais ça y est, le premier but est enfin arrivé. Et c'est dégagé en touche. De Sailly. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Erling Haaland, il peut frapper. Oh, c'est dedans, les voilà. Avec deux longueurs d'avance grâce à ce nouveau but. Il fallait être réaliste et c'est fait. La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Kewell. Chiesa. Gerrard. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Kewell. Di Natale. Et peut-être le but pour revenir. Et oui, voilà ce but. Sans doute pour amorcer une remontada. Et il faut y croire. Il y a le côté technique, vous voyez. Mais il y a aussi le côté intelligence, le côté précision, le côté surprise. Il y a tout dans ce but. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Ce ballon piqué vers Haaland. Et ce ballon est finalement intercepté.
Jordi Alba. Antonio Di Natale. Attention là, c'est Haaland. Et oui, le but splendide, ça y est, le hat-trick c'est fait. Un ballon en plus pour sa connexion. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Voilà son troisième but personnel du match. De quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans son petit musée personnel. C'est parfait. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Garincha. Bonne intervention, la passe est interceptée. Torres. Zidane. White. Garincha. Ronaldinho. Garincha. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Ça y est, c'est terminé. Le coup de sifflet final avec une victoire de l'Olympique de Marseille. C'est une magnifique performance réalisée par toute l'équipe. On a senti une très grande maîtrise. 2 buts d'écart pour une victoire pleine d'autorité.